Le festival de BD d'Angoulême, le talent des dessinateurs plébiscité par les lecteurs, la BD en pleine expansion et c'est tout un secteur économique qui en profite. Christophe Hérault, Yves Junca. Le monde de la bande dessinée peut sabrer le champagne. 2002 est une année record. 31 millions d'albums vendus, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, la bande dessinée est le secteur de l'édition qui se porte le mieux. Grand vainqueur, toute catégorie, Titeuf, près de 3 millions d'albums vendus, 7 fois cité au top 10, comble de la réussite, il n'a pas besoin d'être présent à Angoulême. Mais aux côtés de ces grosses ventes, c'est toute une industrie qui est en croissance. La bande dessinée est mise en avant, loin des mises en avant, elle marche bien, ça se voit, donc on est rentré dans un cercle vertueux qui fait qu'elle progresse régulièrement, tirée par des best-sellers. Ne parlons pas uniquement d'argent. Si la bande dessinée est aujourd'hui un secteur en expansion, c'est que son langage est rentré dans la société. On peut faire des bandes dessinées de tous les genres, on peut faire du reportage en BD, on peut faire de l'adaptation littéraire, pourquoi pas, on peut faire de l'aventure. Tous les genres sont possibles et le public est plus curieux que jamais. Donc il y a une bonne santé économique, mais il y a surtout un appétit de bande dessinée en France. Comme les fruits de la croissance économique, les files d'attente s'allongent pour les dédicaces. Mais du côté du dessinateur, on reste vigilant sur le partage des bénéfices. Quand on a une année à Astérix ou un Lucky Luke ou un Titeuf, ça gonfle énormément les chiffres. Donc c'est souvent un peu l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'auteurs qui ont parfois du mal à vivre de leur plume et de leur pinceau. C'est l'euphorie, mais gare à l'explosion, quand chaque jour, 4 nouveaux albums arrivent chez le libraire, le lecteur risque peut-être d'être enseveli sous un amas de bouquins.